Bon les gars, on se retrouve directement pour un défilé de mode avec plus de 50 joueurs les gars. Mais il y a une particularité, c'est qu'il y a Unchained qui est infiltré parmi les 50 abonnés. Je suis infiltré dans le défilé DHM et je vais le gagner parce que c'est rare qu'on m'invite frérot. Normalement c'est moi qui juge et là je vais me faire juger. On avait fait un épisode 1 sur ma chaîne principale les gars. Maintenant frérot, c'est à toi d'essayer de gagner mon défilé. Bah facile mon gars. Est-ce que t'es prêt pour le premier thème? De ouf. Les gars, pour le premier thème, c'est tout simplement le thème super héros. Je vous laisse 2 minutes pour choisir vos skins. Là on m'invite frérot, alors je déconne pas, je vais gagner. Alors skin super héros, déjà c'est simple. Non pas du tout, j'ai tellement de skins, c'est trop la merde. Ok, j'ai une idée, on va partir sur Spider-Gwen Golden. Parole, la pièce ça va pas, faudrait un skin qui va avec Spider-Man. Le petit sac à dos c'est tellement mignon aussi avec le petit logo Spider. Je vais mettre l'araignée, ce sera beaucoup plus dans le thème. Oh, attends si je peux modifier le style. Oh, j'adore en blanc comme ça. En pioche, je pense que je vais laisser le sabre rouge, ce sera nickel. Ah, en planeur là c'est un peu plus difficile. C'est plus compliqué parce que là tu vois j'ai ça. Mais ça fait moche, c'est sombre, ça fait peur. Ah ben voilà, toile à chute. Et en danse Spider-Gwen, on a celle-là. On le fait un petit looping, voilà c'est pris. Ok j'arrive, je commence directement avec ce skin. Alors t'as un skin très très stylé. Franchement mais c'est pas un super héros, c'est un héros. Désolé Codex frérot, mais c'est pas un skin super héros, c'est un skin de manga. Ok, on passe directement au deuxième skin. Je sais qu'Unchained il a ce skin. Un très joli combo. Bah ouais mon gars. L'arrière fait voir. Ce petit Spider-Man là. Il me dit non de la tête. Ok, toi t'es validé pour l'instant. Prochain skin, c'est Moonlight. On a le droit de faire les danses? Ouais, vous pouvez faire les danses. Ok. Pourquoi c'est toi qui l'a faite là? Non. Attention hein. Oh, le skin Spider-Gwen comme moi. Il est hyper stylé. Par contre, moi j'ai pas. Moi aussi je peux faire ça hein. Alors. T'as un skin Spider-Gwen que je n'ai pas du tout. En violet comme ça, je pense qu'il est super rare. Fais voir un peu ton sac à dos. Sac à dos de Spider-Gwen. Ah ouais, je le vois au loin. En fait, il a le skin Golden. Ouais, c'est le meilleur avec style le... et tout. Il est ultra dur à débloquer en plus. Ah, c'est le meilleur Spider-Gwen possible. Ouais, je le connais. Ok, bah tu es qualifié. Sauf s'il y a un doublon. Et on reviendra tout à l'heure peut-être pour ce fight. Un deuxième skin Spider-Man. Ok. Ouais, il y a que des Spider-Man, mon gars. Spider-Man, bon, on valide. Spider-Man blanc, on valide. Doctor Strange, on valide. Là, il y a personne. Bah, on valide. Ok, on a un petit skin Spider-Man 0 avec un sac à dos Marvel. T'es validé pour l'instant? Pour l'instant, il n'y a pas eu de doublon, les gars. Donc, ça, c'est plutôt cool. Iron Man, franchement, bah validé. Par contre, on a un deuxième skin Spider-Man blanc. Les deux Spider-Man blancs, venez avec moi. Oh mon dieu! C'est le go duel! S'il y en a d'autres, les gars, venez aussi. Les Spider-Man blancs. Ok, donc là, tout va se jouer sur la pioche et le sac à dos. Faites voir vos sacs à dos. Attends, c'est chaud en vrai parce que les deux sont très stylés. Par contre, la pioche. Ah, c'est compliqué. Faites-moi une danse, les gars, pour vous sauver. Là, c'est vraiment la danse qui va vous sauver parce que je sais pas du tout. Wolverine. Ok, une deuxième danse. Non, une deuxième, frérot. Ok. Ouais, ils ont fait la même danse. Unchained. Ouais, j'avoue, mec, c'est pareil. Fais plom plom. Fais plom plom. Donne-moi un chiffre. Donne-moi un chiffre. 7. 1, 2, 3, ce sera au bout de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis désolé, frérot. Ah, mon ça a Dieu, été la roulette russe. C'est quand même d'avoir ce choix-là de choisir le chiffre. S'il avait choisi 8, c'était l'autre, malheureusement. Ok, on a un... Non, mais c'est pas un super-héros. Ah, quoique. Oh, ok, pardon. C'est un skin de manga, mais il me semble, si je dis pas de bêtises, les gars, que ce manga, c'est un super-héros. Est-ce que c'est ça ou pas? Il me dit oui de la tête. Celui à côté, est-ce qu'il a raison? Bah bon, il n'a pas compris, mais ça c'est une super héros. Donc on valide pour l'instant. Franchement les gars, sur le premier thème du défilé, vous êtes plutôt assez chaud. Vous avez tous beaucoup de skins Spider-Man pour la plupart, mais en vrai ils sont assez différents. Oh, She-Hulk. She-Hulk, première fois qu'on le voit en rouge en plus. Fais voir ton sac à dos, la petite cape, non franchement. Hey, c'est moche She-Hulk, c'est trop moche. Non, ça va, là son petit combo il est stylé, il fait un peu peur mais... Mais quand tu penses à un super héros, tu penses pas à She-Hulk, pas en termes de beauté. C'est quoi ton super héros préféré, Unchained? Moi c'est Thor. Je valide, c'est Thor. Dis-toi les gars en commentaire, c'est quoi votre super héros préféré? Là on a... Oh, on avait... Ah mais je crois qu'il est bugué le frérot. C'est Thor. Ah, Iron Man, tous les Iron Man au milieu, tous les Iron Man sur moi. Je tire en l'air. Ok, alors les deux Iron Man, faites voir vos... Ah, putain, vous avez exactement le même combo de skin, les gars. Les gars, faites-moi une danse, faites-moi un truc, là. Je dois pouvoir vous départager. Ok, toi, fais-moi une danse. Hey. Oh. Oh. Breakdance. Je suis désolé, frérot, j'ai préféré le breakdance. Oh non, Razana. Désolé, mon ref. Par contre, lui, il est bugué, on va lui envoyer... Ok, là, on a Big Iron Man. Ouais, c'est un super-héros, je valide. Ah, quelqu'un qui est bugué, malheureusement. Désolé SS. Superman, non! Ok, première fois qu'on voit Thor de la game. Très stylé. Thor, bien sûr qu'on valide. Eh, hey, mais c'est pas toi, Unchained. Tu m'as dit que ton super-héros préféré, c'était Thor. Ah, mec, j'ai pas décliné mon identité, mon gars. Mais
tu m'as dit que ton super-héros préféré c'était Thor. Ouais, mais peut-être que oui, alors c'est pas parce que c'est mon préféré que je l'ai mis. Ouais, je garde un œil sur le petit Thor. Hein. Oh, un deuxième skin Spider-Gwen mythique. Oh, les deux Spider-Gwen mythiques. Venez au milieu, s'il vous plaît. Ok, du coup, les gars, on se retrouve avec deux Spider-Gwen mythiques. Je crois que c'est le niveau le plus rare de Spider-Gwen. J'ai moi-même un skin Spider-Gwen. Là, les gars, ça va jouer au sac à dos et à la pioche. Donc, pour commencer, attends, fais voir toi. Sac à dos cube, ok, qui va bien avec la couleur du skin. Et un petit bâton rouge, bâton Dragon Ball, si je dis pas de bêtises. À côté, on a aussi une pioche rouge, donc un katana. Donc, c'est plus une arme plus puissante. Et on a un sac à dos de Spider-Man. Donc, ça, c'est un peu plus dans le thème de Spider-Gwen. Maintenant, faites-moi une danse, les deux. Unchained, donne-moi un chiffre. Je sais pas, mec. Est-ce que t'as testé le planeur? Ah non, j'ai pas vu les planeurs. Go planeur, les gars. Venez, j'adore j'ai pas vos envie planeurs. Encore de donner un chiffre et de tuer quelqu'un. Ok, ok. Allez au planeur. Ok, le premier. Oh, la toile, parfait. Carrément dans le thème. Et le deuxième. Mais il a exactement le. Ah non, il a pas le même planeur. Les gars, je vais vous demander de tous les deux sauter en même temps. Moi, je vais rester en haut pour pouvoir voir votre planeur, justement. Ok. Les deux, c'est une toile. Unchained, il faut que tu me donnes un chiffre. Ah, vas-y, mon chiffre fétiche. 4. Ton chiffre fétiche, c'est le 4? Ouais. Ok. T'es sûr? Au bout de 3, ce sera toi à 4. 1, 2, 3, 4. Désolé, frérot, malheureusement, le chiffre 4, t'as pas réussi. Encore une fois, Unchained, tu élimines quelqu'un. C'est pas cool. Oh, je suis vraiment désolé, genre. Tu peux râler à ta place. Ok, on était où? Oh, on était sur Black Panther. Trouve pas, il fait chaud là, un truc de malade là. Non, ça va. Non, ça va, ok. Non, ça c'est tort. Ok, Black Panther. Black Panther, on valide. Wakanda forever, mon frère. Yeah. On a qui ici? Oh, on a Flash, première fois qu'on voit Flash. Flash, c'est validé. Skin super-héros classique avec les épées de Deadpool, c'est validé. Super-héros ici, c'est validé. Oh, attends. Oh, Spider-Man Black, c'est validé. Oh, c'est qui ça? Je crois que c'est un super-héros, donc je vais le valider, les gars. Voir ce sac à dos. Ouais, une pièce, c'est validé. Première fois qu'on voit Deadpool en gris cette fois-ci. Trop stylé, validé de fou. On a à côté son frère, les gars, Deadpool normal. Validé de ouf. Un autre Spider-Man. Et je crois qu'on a fait le tour. On a Catwoman. Ah, j'ai demandé, les gars, à tous les Spider-Man noirs de venir au milieu. Enfin, sur moi, je tire en l'air. Ok, Spider-Man, ça va, les gars, vous êtes pas pareil. C'est bon. Par contre, les gars, je vois plein de Deadpool. Tous les Deadpool, venez sur moi, je tire en l'air, les gars. Ah mais il y en a plusieurs, ok. Les Deadpool rouges, c'est la dernière confrontation, les gars, avant de passer à la deuxième manche. Ok, les gars, alors faites voir au niveau de la pioche. Attends, vous avez mis exactement la même pioche, exactement le même sac à dos. Les gars, ça va se jouer au niveau de la danse là. Faites-moi une belle danse. Ok. Deadpool 1 nous fait cette danse. Ah, j'ai du mal à départager là. Les gars, montrez-moi vos planeurs. Tout va se jouer sur les planeurs. J'espère que vous avez pas le même, sinon c'est la merde. Ok. Mais vous avez le même, c'est pas possible! Je suis sûr que c'est Unchained qui me troll. Pas cette fois-ci. En plus, Deadpool, t'as fait une vidéo, t'étais en Deadpool. Ok, les gars, faites-moi une dernière danse. Ok. C'est la toute dernière danse que tu peux faire. Et toi, c'est quoi la dernière danse? Salto arrière. Ouais, mais moi, je sais pas faire de salto arrière. Je sais faire que cette danse-là, du coup, malheureusement, frérot. Désolé, Mathilou. GG à toi, GG à Deadpool. Les gars, la première manche est terminée. On va passer à la deuxième. Oh non, il y a une Spider-Gwen là-bas. Bon, t'as le même skin que moi, je te valide. Les gars, pour cette deuxième manche, on va tout simplement prendre le thème muscle. Tu me mets un personnage musclé, ok? Muscle, comme moi. Waouh. Ok, les gars, alors muscle. Alors, il y a Hulk, mais Hulk, il est pas très joli. Alors, après, il y a Vegeta. Vegeta, il a beaucoup de muscles. Ah, mais il y a mieux beaucoup. Il y a lui. Ah, ouais, mais lui, il est toujours pas beau gosse. Faut trouver un mec beau gosse, tu vois le dire. Oh, Kratos. Ouais, pas mal. Oh, celui-là, frère, par contre, le skin gladiateur. J'adore parce qu'en fait, il a une armure en or. Il faut absolument le trouver un sac à dos. Si on n'en met pas, on va perdre des points. Comme ça, on dirait qu'il vient de l'espace. Il faut qu'on arrive à lui trouver une épée dans la main. Mais il faut trouver une grosse épée. Les gladiateurs, ils ont une énorme épée dans la main. Celle-là, elle est vraiment pas mal, mais elle est pas dans le style gladiateur. Mais il y en a tellement. Oh, Glaive de Bananus. Mais attends, Glaive, c'est exactement l'épée des gladiateurs. C'est nickel. Ok, alors planeur gladiateur par contre. Ah, bouclier. Oh, let's go. Danse gladiateur. Ah, ok, c'est bon, je l'ai en mode super muscles. C'est parti. C'est parti, les gars, pour la deuxième manche de ce défilé. Le thème était le thème muscle. Et je vais tout de suite commencer avec le poteau là qui nous fait de la muscu. Fais voir un peu. Ouais, musculation, le mec il a des abdos et tout. Non, franchement, je valide, t'es qualifié pour la prochaine manche. Pour le prochain skin, on a le skin Wolverine. Oh, c'est biceps de bâtard. J'ai les mêmes, c'est fou. T'es qualifié, frérot. On a le skin Miaou. Fais voir un peu. Oh. Ok. Ok, nice, frérot. Skin chat, un chat musclé, qualifié. C'est un chat de Ohio, ça. Regarde comment il est musclé. Ah, il m'a dit oui. Travis Scott. Déjà, skin rare, donc ça, c'est cool. Travis Scott, en vrai, Travis Scott, il est bien tracé. Petit abdos, bras un peu, pec. Non, en vrai, ça va. Je te le qualifie. Bah, il est trop stylé, lui. Mais t'es pas les muscles. Ah.
Il a mis le sac à dos Unchain, les gars. C'est un petit skin pas très musclé. Sac à dos Unchain. Hein? Ça veut dire quoi ça? Non, rien. Ok, j'ai jamais vu ce skin. Il a un skin, les gars, je l'ai jamais vu. En plus, il fait de la muscu tout en noir comme ça, très stylé. Par contre, est-ce qu'on voit bien les muscles? Ouais, non, on voit les muscles. Deuxième skin, Mouse. Miaou. Ok, fait de la muscu. Est-ce que c'est toi, Unchain? Je dis pas, aucune info, frère. Mec, c'est toi, Unchain. Les muscles. Oh, il fait bouger les pecs. Incroyable. En vrai, ouais, c'est moi. On passe au prochain skin, frérot, t'es qualifié. Yes, let's go, les gars, je suis qualifié. Ouais, Shonagle. Hein? Wesh, on a un gladiateur. Non, il est trop stylé. Fais voir un peu. En plus, moi, les gars, je suis un gars, je kiffe tellement les trucs type gladiateur, tout ça. Avec un sac à dos de fou. Fais voir ta pioche. Une glaive, je crois, ça s'appelle. Non, très stylé, frérot. Wesh, par contre, me retouche-moi, tu vois. Ok, attention, hein. T'es qualifié pour la prochaine manche, mais attention à toi. Et j'espère qu'il n'y aura pas de doublon, sinon, c'est toi que je tue. Ok, on passe au prochain. Deuxième skin, miaou. Attends, l'autre, il était comment, l'autre skin, miaou? Ah non, il était tout blanc, t'as de la chance. Ouh, on va avoir un duel. Parce que j'ai déjà vu ton skin tout à l'heure, frérot. Tous ceux qui ont le skin casque en mode Mad Max, venez au milieu, les gars. Alors, entre vous deux. Déjà, on va avoir le sac à dos. Il y en a un qui a pas de sac à dos, l'autre qui a un katana. Les armes, c'est fait pour les hommes forts. Donc, déjà, tu marques un point. Par contre, lui, il a un marteau beaucoup plus lourd que le tien. Toi, t'as que de la foudre. Faites-moi une danse, les gars. Ok, qui porte le plus de poids? Après ça, c'est une tronçonneuse quand même. Unchain, tu choisis lequel? Celui de gauche. Mais c'est lequel? Lui? Celui de arrière-gauche. Arrière-gauche. Là, à la droite de la gauche de ta gauche. Ok, attendez, montrez-moi vos planeurs, les gars. Oh, ok. Dragon. Ok, au deuxième. Ah, frérot, malheureusement, c'est sur le planeur que tu perds. Un dragon, c'est plus dur à diriger. Désolé, frérot, merci Oslo d'avoir participé. Malheureusement, tu n'es pas qualifié pour la prochaine manche. Alors, lui. Bon, lui, il est stock, il est tatoué. Il a perdu un œil. Non, il est qualifié. Oh! Un deuxième skin gladiateur. Ah, il m'a l'air plus balèze que l'autre, celui-là. Hein. Franchement, attendez. Est-ce qu'il y a d'autres skins? Tous les skins gladiateurs, venez au milieu. Allez, les skins gladiateurs au milieu, les gars. Allez, les gars, tous les skins gladiateurs au milieu. Punaise, il y en a pas mal. Ah ouais? Oh! Oh! Ah ouais! Au début, vous êtes 5. Attends, il va où lui? Est-ce que c'est un skin gladiateur ça? Ouais, non, toi, c'est bon, t'es trop différent, tu peux y aller. Bon, les gars, vous êtes 4 et il n'en restera qu'un. Je vous le dis à l'avance, ok? Déjà, toi, frérot, malheureusement, ok, t'es musclé, mais t'es le seul qui n'a pas de casque. Et moi, je préfère avec le casque. Parce que le dégradé, il a mal été fait là. Désolé frérot, papy Emile, tu es éliminé. Maintenant les gars, ça va se jouer entre eux. Alors attendez, fais voir ton sac à dos. Ok. Attends, là les gars, je sais pas. Là c'est très compliqué. Pour moi, mes deux préférés. Arrête avec ta danse, voir ta pioche. Mais frérot, tu m'as mis du poulet. Tu mets du poulet alors que j'ai faim. Je suis désolé frérot, c'est vraiment pas de ta faute, juste parce que je crève la dalle. Unchained aurait fait la même chose, on est d'accord? Oh de ouf frère, j'aurais fait la même chose. Ok, donc maintenant les gars, entre le gladiateur... Oh, ok. En fait, je vous explique le truc. C'est que celui à droite, tu vois là, lui... Il me paraît tellement plus stock parce que dans les films, ceux qui ont ces casques-là, c'est les gros lards, tu vois. Par contre, frérot, t'as pas mis de sac à dos. Et t'as une pioche qui est un peu plus lourde que la pioche de ce gladiateur. Sauf que cette pioche-là, et je pense que tu serais d'accord avec moi, qu'elle est plus dans le thème avec le skin, même si ta pioche est plus lourde, on est d'accord? Oui. Toi, t'aurais choisi lequel, frérot? Eh bah, frérot, je vais suivre le conseil de l'abonné. Désolé, mon ref. Je suis désolé, Sharky, c'est l'abonné qui a choisi. On lui fait une petite émote. Là vraiment c'était du hasard parce que moi j'ai kiffé les deux. Et c'est l'abonné qui a choisi, du coup frérot tu peux re-aller. Tu es qualifié pour la prochaine. C'est un peu long la DHM dis donc hein. Franchement tu devrais aller plus vite pour les tu devrais aller plus vite pour les tuer. Mais t'es où toi? Bon toi t'es qualifié. Quoi? Les gars tous les skins Travis Scott. Attends mais il y a trop de Travis Scott. Attends les gars allez au milieu les Travis Scott. Les Brutus allez au milieu aussi. Et les skins tatoués musclés allez au milieu. Toi aussi allez au milieu. Va au milieu. Wolverine c'est bon. Ok les gars on va commencer par les deux Travis Scott. Sac à dos, ok. Le sac à dos Travis Scott est plus rare. Fais voir ta pioche toi. Non frérot, je choisis le sac à dos Travis Scott. Frérot, tu es qualifié. Ok les gars, entre les deux screens Brutus. Tu choisis qui toi frérot? C'est l'abonné qui va m'aider. Tu choisis lui. Désolé mon ref. Malheureusement, l'abonné a choisi. Bon les gars, on est 1, 2, 3, 4, 5. Je vous le dis à l'avance, il en restera qu'un. Je vous le dis à l'avance. Faites-moi deux lignes s'il vous plaît les gars. Deux lignes devant moi. Ça va être des duels. Ok. Alors entre lui. Et fais voir ta pioche frérot. Ta pioche elle est trop grosse frérot malheureusement. Je choisis l'autre. Tu es qualifié. Ok les gars, là il y a deux pantalons similaires. Les deux pantalons blancs venez devant moi. Alors attendez, le sac à dos. Sac à dos. Ok. Fais voir la pioche. Moi je préfère le katana frérot. Malheureusement. T'es éliminé, j'ai déjà toi. Ok les gars, c'est le dernier. Oh, il y en avait. Attends, lui, il y a le pantalon noir. Viens avec moi le pantalon noir. Entre ces deux pantalons noirs, les gars, fais voir un peu le sac à dos. Frérot, le frérot a mis un sac à dos, malheureusement, tu n'en as pas mis. Et enfin, non, reviens. Ok, entre celui qui habille en blanc, celui qui habille en noir. Unchain, tu préfères le blanc ou le noir? Moi, les gars, en vrai, je suis quelqu'un qui m'habille beaucoup en blanc. Du coup, je vais choisir le blanc. Désolé, frérot. Ok, on continue, les gars. Ok, toi, t'es stock, c'est bon. Travis Scott, toi, je t'ai qualifié. La brute aussi. She Hulk, en fait, t'es stock. Ah, bah là, t'es plus stock là.
Qu'est-ce que tu m'as montré? Tu m'as montré que c'était une supercherie. Je suis désolé. Wolverine, c'est bon. Bah, Goku, bien sûr que c'est bon. Toi, c'est bon, c'est The Rock. Tous les Skincha et tous les Wolverine, les gars, allez au milieu. Ok, je vais commencer avec les Skincha. Il y en a un qui est un peu marron et blanc. L'autre qui est noir et l'autre qui est tout blanc, les gars. Je vois un peu vos sacs à dos. Toi, frérot, ok, vous deux, vous avez le même sac à dos. Je vais voir vos pioches. Déjà, il y en a deux qui ont le même sac à dos. Donc, on va en éliminer un des deux. Et malheureusement, j'ai opté pour le classique. Si j'ai la capuche, malheureusement, t'es éliminé. Donc maintenant, entre le blanc et le noir, lequel vais-je choisir? Unchain, blanc ou noir? Ying, yang, yang, ying, yang. Que choisirait Kung Fu Panda? Positivité, le blanc. Le noir, négatif, le blanc. Malheureusement, frérot. Je suis désolé, c'est le blanc qui gagne. Maintenant, les deux Wolverine, sur lequel on voit mieux les muscles. Voilà, c'est que ça, je veux voir. Alors lui, on voit très bien ses épaules. Fais voir un peu. Ah, on voit un peu moins les épaules à cause du costume. On voit bien ses petites fesses. Fais voir toi. Et lui, il a des protéines, mais j'ai faim. Ah, j'avoue, j'ai faim. Mais on voit plus ses muscles, du coup, frérot, je suis désolé. T'es éliminé. Je suis encore en vie, les gars. Et je suis encore en vie. Attendez. Les gars, c'est parti pour la grande finale. Et pour cette grande finale, j'ai choisi le thème rare. Unchained. Je suis prêt. J'ai pour objectif de t'éliminer. C'est impossible qu'il m'élimine, les gars. J'ai pris un skin ultra rare. On va tout de suite commencer, les gars, par le premier skin. Cette fois-ci, les gars, je vais être sans pitié. C'est la finale. Pour le premier skin, on a simplement le skin John Wick. Mais frérot, il y a deux John Wick dans le jeu. Et t'as mis celui qui est pas rare qu'on retrouve dans la boutique. C'est l'autre qui est rare. Désolé, frérot. Malheureusement, Nassim, tu es éliminé. Ok, on se retrouve directement avec le skin chevalier noir. Le flow sans plus. Le sac à dos chevalier noir. Pour l'instant, frérot, tu es qualifié. Skin exceptionnel, chapitre 1, saison 1. Oh, le skin World Cup. C'est rare, ça avec aussi. Le sac à dos Pirastack. Viens, Dani, tu vas juger avec moi. Bah, du coup, il y en a combien? Il y en a que 1000, je crois. Ouais, 1000, je crois. Hein, mais qu'ils l'ont. En vrai, lui, on laisse qualifié. Qualifié pour l'instant. Prochain skin. Oh, elle est pas rare, lui. Attends, si, c'est un skin de passe de combat. Ça, c'est le truc galaxie dans le dos, je dirais. Ah, si, la pioche. Ah, non, elle est pas rare, la pioche galaxie. C'est Dani qui décide, c'est moi, next. C'est... Moi, c'est next instant, c'est pas beau. Désolé, NWT, c'est Dani. Pas beau du tout. Qui a choisi, hein? C'est moi, je crois que ce skin est super rare. Ouais, je crois qu'il est rare. Pour l'instant, je crois que c'est toi... un des top rares. Genre. Pour l'instant, t'es qualifié. Oh, j'ai jamais vu de skin, j'ai jamais vu de sac à dos. Tu parles au plus Bambi de Fortnite là, tu vois, donc Hey, si tu veux des conseils, DHM demande à moi. Ok les gars, attends, mais hey. Ok, une goule rose. Attends, y'a skin Poiscaille là, tu faisais quoi? Attention hein. Goule rose, non, goule rose c'est super rare. Goule rose c'est pas rare du tout, qu'est-ce que tu dis mon gars? Lui dit non là, lui dit non. Attends, mais c'est le skin Poiscaille, ouais, World Cup. Poiscaille, okay. World Cup, pareil. Il est rare lui? Ah non, c'est pas rare. Ok, merci. Ok, ce skin là, non, je suis désolé frérot, je l'ai beaucoup vu. Il est pas rare. Les gars, allez tous au milieu. Ok les gars, faites deux lignes. On va passer à la grande finale. On va tous vous liquider. Oh mon dieu. Je te donne un indice et qu'on élimine un chain. Bien pour qu'on élimine. Non, Dani, tais-toi, t'as pas le droit, Dani. Chut. En vrai, attends, je sais quels skins sont vraiment rares. Les plus rares, c'est la goule rose, le chevalier noir. Le reste. Quoi? Je suis désolé les gars. Quoi? On liquide tout le monde. What? Et le skin World Cup avec. Attends, mais Unchained, il est pas mort dans tout ça. Mais mec, je suis pas mort. Mais du coup, tu sais qui je suis? Bah, j'ai pas la goule rose. Mais pourquoi tu viens de me dire que t'as pas la goule rose? Bon bah, hey, let's go. D'où y'a un mec qui a la goule rose? Personne n'est là, la goule rose. Là, y'a un mec dans mon... Le niveau de rareté est pareil. Je perds toujours contre des goules roses. Attends, c'est qui a gagné? Attention. C'est SS, bien joué à toi frérot. Bon, en tout cas les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais te liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y aura la chaîne d'Unchained dans la description. Allez voir, il sort beaucoup de vidéos. Merci Unchained, bon même si malheureusement tu m'as dit ton skin à la fin. De toute façon, même si je te l'aurais pas dit, t'aurais choisi la goule rose hein.